Alors, il y a des destins tout tracés parmi nous. Regardez, il y a 9 ans, Alex, dans une émission qui s'appelait Le 75 minutes, nous avions invité une jeune chanteuse et elle avait chanté Le Clash aux enfants. Et oui, et aujourd'hui, c'est fou, elle se retrouve apaisée dans une émission pédagogique. C'est incroyable, c'est Guédré. Tout à fait, très apaisée. Allez les enfants, on écoute bien. Quand tu fais un truc pas bien, tu es puni. Pas de dessert, pas de câlin. Pipi, les dents et au lit. On peut te dire d'aller au coin ou d'écrire 50 fois. Je ne demanderai plus au voisin pourquoi il n'a qu'un bras. Tu peux être privé de console ou privé de vidéo. Ou si t'as vraiment pas de bol, devoir regarder l'heure des pros. Si tu trouves pas ça marrant, les punitions. Profite par contre qu'en grandissant, ça devient un peu plus coton. La pri-pri, la zonzon, vive la prison. Pour punir les méchants, c'est la meilleure solution. En pri-pri, en zonzon, on les met tous en prison. Parce qu'ils sont très méchants et qu'il n'y a pas d'autre solution. Quand tu es grand et que tu n'es pas sage, on te met avec d'autres grands dans de petites cages. Si tu aimes les animaux, cet endroit est fait pour toi. Il y a des cafards à gogo et on peut caresser des rats. Si t'aimes les soirées pyjama, tu vas voir, c'est super. Dormir assis au même endroit, 4 dans des lits et 2 par terre. Et puis pas de chichi s'il vous plaît, ça peut être sympa qu'ils soient tous à côté quand tu fais caca. La pri-pri, la zonzon, vive la prison. Pour punir les méchants, c'est la meilleure solution. En pri-pri, en zonzon, on les met tous en prison. Parce qu'ils sont très méchants et qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais comme dans toute situation, il faut garder espoir. Car parfois la prison, c'est pas obligatoire. Il suffit pour cela de bien choisir ta bêtise. Car toutes ne méritent pas 10 ans ferme aux assises. Au lieu de dealer du shit, deal plutôt avec Kadhafi. Et fraude le fisc au lieu de voler au franc prix. Provoque une marée noire au lieu de taper dans la caisse. Et plutôt que faire le trottoir, prends le dégosse après la messe. La pri-pri, la zonzon, vive la prison. Pour punir les méchants, c'est la meilleure solution. En pri-pri, en zonzon, on les met tous en prison. Parce qu'ils sont très méchants et qu'il n'y a aucune, mais vraiment aucune autre solution. Et avec votre nouvel album, les chansons romantiques au piano, je rappelle que vous êtes en tournante et que vous passez le 12 novembre à Toulon et le 20 novembre à Auze, c'est dans le Gers. Et plus précisément d'ailleurs dans le Bas Armagnac, tu vois ce que je veux dire. On ne choisit pas les dates au hasard. Oui, voilà. Donc on boira un coup à votre tour, bien sûr. Mettez un petit flacon dans le sac, hein, pour me dire tout. Une petite place, bien sûr. Merci Guédré, revenez vous asseoir près de nous.